écouter. On lui avait promis de transmettre le message, donc voilà. Peck, bah merci beaucoup Ouais, merci, c'est bien. de ce beau résumé. T'as même noté l'odeur des haricots, alors là, c'est Ouais, fort. je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Sur le moment, j'ai dû me dire que ça avait une importance quelconque. Donc, j'ai marqué que ça sentait le haricot. Qui sait, c'est peut-être un rituel à base de haricots, on ne sait pas. Et de Après, confiture. un bon après la chili confiture, voilà, sur jeu. y a une ligne directrice dans tes soupçons quand Le même. mariage impie de la confiture et du haricot qui mènera à la fin du monde. Parfait, bah merci bien. Donc, vous étiez, bah vous veniez de quitter, il me semble, la chapelle, vous aviez trouvé ce journal. On s'approche de la soirée, donc vous pensiez rentrer sur Summers Point. Voilà, donc vous êtes en route. Si vous avez lu le journal, vous pouvez, bah, je sais pas, vous pouvez me dire, nous dire ce que vous en pensez, ou si vous en pensez quelque chose d'ailleurs. On l'a gardé le journal ou on l'a laissé sur place? J'ai supputé que vous l'avez embarqué, mais Ouais, je pense qu'on l'a embarqué. Ouais. Voilà. Donc vous êtes en train de rentrer là vers le centre-ville, vers votre auberge, la Dragonfly Inn. Et dis-moi par exemple, Howard, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Donc, dans quel état se sent Howard là, pendant ce court moment d'accalmie du retour? Ben, il profite pleinement du calme parce qu'il sent que ça va pas durer et il en profite pleinement, il parle de choses et d'autres un peu futiles avec ses compagnons de destin. Et ouais, il fait quelques blagues pour détendre un peu l'atmosphère et penser un peu à autre chose, quoi. Très bien. Donc vous arrivez devant le, vous garez dans l'auberge. C'est très très calme. Vous entendez alors que vous n'êtes pas juste à côté, vous entendez quand même le bruit des flots qui s'écrasent contre les rochers, contre la falaise. Donc il y a vraiment pas un bruit ce soir. De temps en temps un animal, un chien qui hurle. Vous voyez quelques chauves-souris qui passent. Hein, là c'est vraiment le début de la nuit. Voilà, donc c'est la soirée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de pas? Je propose à Eric de faire un dernier tour, histoire de boire un verre, fumer une clope ou un cigare et pouvoir débattre un peu du journal qu'on a trouvé. Enfin, tout le monde est invité, hein, pas que Eric, mais je sais bien qu'il aime Ouais. bien ça. Oui, voilà. Ah ben moi je suis partant, hein. Je suis partant en plus. Après ce que j'ai lu dans le carnet, là, je suis un peu perturbé quand même. Donc, en parler autour d'un verre, si je me couche tout de suite, de toute façon, j'arriverai pas à dormir. Donc, s'il y a moyen d'aller boire un coup sur le port ou quoi, c'est avec plaisir. Oh ben moi je suis partante aussi, ça me donnera l'occasion de porter une des robes de ma valise que j'ai pas encore sortie donc. Ah! L'attraction de la journée. Impeccable, donc j'imagine que vous attendez. Aileen, ça te prend combien de temps de sortir la robe de ta valise? J'ai déjà prêté pour le rendez-vous avec les policiers, donc je mets pas très très longtemps à me pomponner. Je dirais une vingtaine de minutes quand même, hein. Il faut ce qu'il faut, hein. C'est soft, c'est soft. Ah bah oui. Oui, mais j'ai pas besoin de me remaquiller, j'ai pas abîmé mon rouge à lèvres plus que ça, donc. Donc Laurie vous a quand elle a vu que vous attendiez, vous avez évidemment proposé quelques rafraîchissements, un petit café ou une petite tisane quelconque. Elle remarque ton air un peu inquiet quand même. Eric, ça va, monsieur? Oh oui, Est-ce que ça va, tout va bien? c'est gentil à vous, mais on a eu une longue journée aujourd'hui et je suis un peu fatigué. C'est peut-être l'air de la mer, hein. Ah oui, c'est vrai que ça vivifie, mais ça fatigue aussi, hein, c'est l'iode. Ah, on n'est pas habitué, nous, Très bien, donc, oui. à New York, on respire surtout les gaz d'échappement. Certainement, certainement.
Mais je vois que vous allez ressortir, faire une petite promenade. C'est bien de profiter de la soirée. Oui, Surtout que vous c'est. auriez un petit endroit à nous conseiller pour aller se détendre autour d'un verre? Ah bah écoutez, si vous voulez un endroit tout à fait romantique, il y a évidemment le restaurant sur le Grand Ponton. Ah, le C'est restaurant très agréable. d'hiver. Oui, voilà, avec le clapotis des vagues, c'est tout à fait sympathique. Peut-être que si vous voulez quelque chose d'un peu plus discret, il y a Un peu plus intime. Il y a un petit café là qui est un tout petit peu en dehors du port. Il faut marcher un petit peu plus loin, elle vous indique hein, la marche. Marche à suivre, enfin le chemin plutôt. Ah bah très bien, en plus on connaît pas cet endroit-là, on pourrait l'essayer. Ah oui, c'est sympa ça. Merci du tuyau. Elisabeth, tu viens? Oui. C'est vrai. Oui, je viens avec vous. J'ai entendu que vous allez à une soirée. On s'est dit qu'on n'allait pas se coucher maintenant. On va boire un petit verre en ville et puis on ira au lit après. On va discuter un peu du carnet. Ok, je vous accompagne dans ce cas-là. Ah, chouette. Eline va pas tarder à sortir de la salle de bain. Donc effectivement, au bout d'une vingtaine de minutes, Aline arrive comme une fleur. Alors, vous êtes On est prête? prêt. Oui. Tout le monde, si tout le monde est là, pomponné. Je regarde Aileen et je commence à arranger un peu mes cheveux, un peu gênée, sentant que je ne suis pas du tout à la hauteur par rapport à elle. Ah mais on est d'accord, on fait tous tâche à côté d'elle, hein, Ah bah c'est moi le clair. premier. Hein. En même temps, c'est le but de ma vie, donc si tu veux. Ah oui, c'est tout à fait la reine des abeilles et ses suivants, c'est parfait. Très bien, donc vous arrivez à ce petit café, hein, plutôt un salon de thé finalement. Point Vine Tea Parlor. Voilà, on vous sert les consommations que vous commandez. Il n'y a pas un chat, vous êtes vraiment les seuls clients pour l'instant. Ah bah c'est très bien, ça on va pouvoir discuter. A priori si on discute à voix basse, enfin normalement personne nous entend. Oui, non, enfin, il n'y a personne à portée de voix, peut-être dans la cuisine, mais à moins qu'ils Oui. fassent vraiment très très attention, il n'y a pas de raison qu'ils vous entendent. D'accord. Les murs ont des oreilles ici. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce petit calepin là? Justement, il y a la référence aux 29 ans, tu sais, Ouais. qu'on avait déjà remarqué. La malédiction des Summers. Ouais. Moi, en lisant ce journal, je me dis que on devrait peut-être essayer de trouver le médecin de famille des Summers, s'ils en ont un. Oui. Parce que, a priori, comme les hommes meurent jeunes, peut-être qu'il y a un médecin en ville qui, je sais pas, qui pourrait nous en parler, même si les médecins sont tenus au secret professionnel. Peut-être qu'Elisabeth, elle arriverait à lui soutirer quelques infos. Je ne suis que guide touristique, souvenez-vous. Oui, mais peut-être pas pour lui. Pour La lui, secrétaire de la guide. Pour lui, tu pourrais te présenter différemment face à lui si jamais il existait ce médecin. Enfin, c'était une idée comme ça, tu vois. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai un peu l'impression quand même que c'est pas le médecin qui va nous donner la solution, c'est plus les notes d'Archibald. Et les notes d'Archibald, on en avait déjà vu un petit bout, quoi, quand on était chez Sommer. Et Ah bon? j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus vu l'essentiel. Là, il parle clairement d'un rituel, et le rituel a l'air d'être décrit dans les notes d'Archibald. Mais où est-ce qu'on les avait vus chez Summers, les notes d'Archibald? Je me souviens pas, hein, c'est pour ça que je te demande, Eline. Il y avait des livres de mémoire et il me semble bien qu'il y avait un livre contenant justement des notes d'Archibald. Damned. Ouais. Mais le journal, il est écrit par le père de Dalford, ouais. d'Alford, hein. On est Ouais. d'accord, ouais, ok. Ouais, c'est son père qui a écrit ça.
Ouais. Lucille, c'est sa mère du coup ou Bah j'imagine, ouais. Vous avez vu les tableaux, donc a priori, il y a sans doute une plaque, donc oui, c'est sa mère. Ouais, ok, ouais. Ça va voir. Ouais, Si donc on avait vu des livres médicaux et les notes d'Archibald. D'accord. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait c'était plein de livres sur lesquels il y avait des notes, mais... Ouais. Que vous avez trouvé au manoir, c'était effectivement des livres à noter. Le pavillon de chasse qui est fait référence à la fin du récit, Ouais. Oui. il est sur la résidence des Oh Summers, bah oui, certainement, du oui. coup? Dans leur parc, a Ouais, priori. ok, ouais. Je crois que vous aviez... Non, je sais plus, je dis rien. Je crois qu'au musée, vous avez vu un truc, mais j'en sais plus. Et a priori, je crois que vous aviez été Vous avez regardé un peu au cadastre et tout ça, les trucs qu'il y a. Oui, on avait regardé au moins les plans Ouais. de C'est sur la cadastre. propriété, alors c'est loin, hein, c'est à 10 bornes, hein, du manoir, mais c'est sur la propriété. Elle fait plus de 10 bornes leur propriété. Ah, c'est... Oui. Ah ouais, ok, ouais, c'est pas un petit truc quoi. Ah, donc on pourrait peut-être y accéder facilement sans se faire repérer, puisqu'on ne serait pas obligé de passer par le bâtiment principal, ou en tout cas pas forcément près du bâtiment principal. Ah oui, hein, s'il n'est pas surveillé ce truc-là, ouais, on pourrait jeter un œil à cet endroit-là, quoi. En tout cas, ça semble moins risqué de jeter un œil au pavillon de chasse plutôt que d'essayer de se rendre à nouveau dans le manoir pour consulter les notes d'Archibald. Ouais. Et ouais, c'est le rituel de contact. Donc du coup, c'est pour contacter l'espèce d'ange gardien, hein, dont il fait référence, quoi, je Bah pense. oui, ça doit être quelque chose d'approchant, une sorte de... Alors, à mon avis, c'est pas toujours le même ange, hein. Ça doit dépendre du... Oui. Je pense que l'ange s'adapte... Enfin, l'ange, ce qu'il appelle l'ange s'adapte à la personne qui fait le rituel, mais... Mais apparemment, ça a l'air de marcher, alors, pour Alfort, du coup. Bah, Vu qu'il a il... dépassé largement les 29 ans, les Ouais. 29 ans, il a presque doublé, quoi. Ça étant, derrière l'image de l'ange, il y a quand même quelque chose de très pieux. Je serais un peu étonné que le prêtre soit au courant de rien à ce propos. Les sommeurs ont dû se renseigner peut-être un petit peu quand même. Sais pas si les rituels Bah, la notion d'ange, ça a un côté biblique. Ça serait une créature monstrueuse, je dis pas, mais là, on parle d'ange. Enfin. Bah justement, c'est en fait le côté rituel et ange, c'est pas trop voilà quoi, tu peux prier un ange mais faire un rituel pour prendre contact. Moi, Voilà, je pense. niveau biblique, je sais pas, mais oui, on peut demander. Peut-être qu'ils ont des croyances locales, peut-être un peu spéciales ici. Vous pensez qu'ils sacrifient des gens pour invoquer quelque chose, Bah, le truc, c'est ouais, justement le rituel, si c'est ça, justement de sacrifier des enfants ou je sais pas quoi. Moi, je suis presque sûre que la créature qu'on a vue était un animal, hein. Ouais, ça y ressemblait. En tout cas, ça en avait certains traits. Hein. Oui. Après, dans ses notes, il parle aussi du devoir de protection qu'a leur famille envers la communauté. Je sais pas d'où il tire ce devoir. Est-ce que c'est une responsabilité qui s'impose à eux-mêmes ou est-ce que c'est lié au pacte? Je sais pas. Ben, tourner comme c'est tourné, en fait, lorsqu'il parle de commettre des actes répréhensibles, même si on aurait très très envie de les rattacher au rituel de contact. Là, il l'évoque plus dans le sens où les précédents n'auraient pas réussi parce qu'ils étaient pas assez, ils avaient trop péché pour obtenir la miséricorde. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ils auraient fait des actes répréhensibles et du coup, ils peuvent pas obtenir la miséricorde et du coup, ils peuvent pas contacter l'ange. C'est plus dans ce sens-là. Même si effectivement, Ah ouais, d'accord, on j'avais aurait pensé comme ça. envie, voilà, de dire ils font des actes répréhensibles pour invoquer l'ange. Mais là, écrit comme c'est. Donc pour invoquer l'ange, il faudrait être irréprochable alors, pour avoir une chance d'obtenir sa protection. Bah, sur ce paragraphe-là, moi, j'ai envie Ouais, de c'est dire comme ça oui. que tu le comprends, ouais. D'accord. Au niveau du majordome, Lester, on avait réussi à parler ouvertement avec lui ou il était resté assez distant quand même?
Ouais, il était resté très professionnel, Ouais. Lester. Hein. On avait senti quand même qu'il avait beaucoup d'affection envers Alford, Oui. mais ça s'arrêtait là, quoi. Parce que s'il y en a bien un qui doit savoir ce qui s'est passé, c'est bien lui, quoi. Ah bah ça, ouais, c'est sûr. C'est le plus vieux de la maison. Parce qu'apparemment, quand sa mère ne s'occupait plus de lui, c'est Lester qui reprenait le travail, enfin le travail, l'affection, quoi. Par contre, je comprends pourquoi il dit que Alford sera le dernier à porter le nom glorieux des Summers. Comment son père, il savait que son fils serait le dernier? C'est étonnant. Il aurait pu Ouais. se marier plus tard, son fils, ou avoir des enfants, ou... Je trouve ça bizarre, cette phrase. Et il y en a une autre qui est bizarre aussi, c'est qu'il dit que Alford va disparaître avant eux, pas avant elle, pas avant Lucille, avant eux, c'est-à-dire qu'il pense qu'il va même mourir avant lui, alors que lui, normalement, il est condamné Oui. aussi à... Bah oui, c'est ça, oui. Parce qu'au début de son récit, il dit qu'il est condamné, quoi, hein, qu'il est plus que l'ombre de lui-même, donc... Ouais, voilà, lui, il est déjà frappé par la maladie Ouais, c'est ça. de la famille. Et puis il parle de convaincre Lucille, il parle de la convaincre de quoi? De faire le rituel? Le problème, c'est que si on veut rentrer dans la confidence, si on veut mettre Lester dans la confidence, essayer de lui parler et qu'il nous raconte toute l'histoire, on peut être sûr, je dirais à 99,99%, qu'il va aller tout raconter Oui, à ouais, c'est Alford. clair. Oui. Oui, parce qu'il doit considérer Alford comme son fils. Enfin, ils sont trop proches tous les deux. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est presque pas notre mission tout ça. Hein. Nous, on est censé se focaliser juste sur les gars qui ont disparu et savoir ce qui Oui, leur est arrivé. c'est pas Hein. faux. C'est pas faux. Oui. Donc, c'est vrai que ça titille notre curiosité, cette histoire des Alford, mais. Mais en même temps, est-ce que ils y sont pas passés par l'intermédiaire de ça justement pour prolonger la vie? Enfin, on va partir sur des suppositions, mais s'ils font des rituels encore maintenant, vu qu'il y a des gens qui disparaissent, est-ce que ils y seraient pas passés justement comme ça? Pourquoi pas, mais du coup l'angle d'attaque, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut prendre. Faut peut-être prendre l'angle d'attaque. Peut-être que ça va nous ramener là. Ouais, C'est voilà. ça que je veux dire. Mais c'est peut-être pas par là qu'il faut aborder les choses. Il faut peut-être effectivement aller s'occuper davantage des Avery et de leur maison où on aurait Ouais. vu nos disparus. On se doute qu'il n'est pas impossible que ça nous ramène là. On a imaginé des espèces de pactes entre des hommes et des créatures. Ça a probablement un lien, Ouais, mais ouais, non. je suis assez d'accord avec toi, moi. Je pense que on devrait continuer la piste des Avery, puisque c'est eux qui ont vu nos gars en dernier. Et puis voir où ça nous mène. Parce que si on se Si disperse on trop, s'éparpille trop, on va partir dans les légendes chamaniques et tout ça, et on saura jamais ce qui s'est c'est passé. clair quoi, parce que là on a une piste, enfin on a une piste, on a des soupçons sur les Summers, sur Léo, le jeune homme hyper Ouais. fort que on sait pas non plus pourquoi, et ouais, et en fait tout ça juste pour retrouver Voilà. les Ouais. Non mais oui, ouais, on devrait peut-être, ouais, plutôt du côté des Avery d'abord. Si ça trouve, tout se recoupe, hein. Bah oui, peut-être, ouais. C'est possible que nos... Enfin, à mon avis, moi, je pense que nos prédécesseurs, là... Donc ils ont été démasqués d'une manière ou d'une autre en tant que gangsters et le justicier qui sévit ici Ouais. les a éliminés, mais après, faudrait déjà être sûr de ce qui s'est passé, quoi. Ok, donc on part sur ça alors. Ouais, moi je pense que demain on devrait commencer par les Avery, aller discuter avec eux, quitte à. Ils vont pas bien nous recevoir puisqu'ils reçoivent, enfin c'est pas des gens loquaces, mais nous on a une petite expérience d'Innsmouth, quand on y est passé, on pourrait peut-être leur évoquer deux trois
deux trois choses qu'on avait appris à Innsmouth, ça les fera peut-être un peu parler. Ou peut-être demander s'ils sont pas originaires d'Innsmouth par hasard. Oui, Ouais, voilà, c'est à ça que ou je si pense. ce sont pas des. Je me souviens plus, c'était des adeptes de. Des enfants de Dagoth ou quelque chose comme ça, Innsmouth. Dagon. Comment? Dagon. Dagon, voilà. Dagon. Peut-être qu'ils font pas partie de ce culte aussi. Enfin, tu vas trouver des choses pour les mettre à l'aise en leur disant ah, on connaît un peu des gens comme vous. Et vous voudriez pas qu'on profite de la nuit pour aborder la maison justement discrètement? Quelle maison? Ben celle des Avery, celle qui pue. Oui. Ah, tu veux aller la fouiller sans leur. Ou peut-être juste observer, peut-être pas. Ouais. Oui, pas nécessairement la Voir ce qui fouiller, s'y passe, mais quoi. voilà, observer à distance, regarder un petit peu, peut-être se rapprocher si on voit quelque chose, mais à la faveur de la nuit, on a des chances de voir des choses de façon discrète. Ok. Je vois que ce petit verre nous enhardit. Aline s'est fait belle pour aller braver le danger, c'est normal. C'est ça, on va sentir le poisson, hein, je te préviens, hein, Aline. Si on s'approche trop de cette maison. Mais on n'est pas obligé de trop s'approcher non plus. Je Ouais. suis intimement convaincu que nous aurons l'œil On s'équipe de vif. nos jumelles et on va aller voir. Ok, bah moi je veux bien. Hein. On va rôder un petit peu discrètement. Enfin, du moins les plus discrets d'entre nous, je pense à Aileen, notamment. Alors la maison des Avery, je vous le rappelle, elle est sur, elle est un petit peu en hauteur, hein, sur, en haut d'une falaise. Et elle est donc pas directement dans la ville. Et pour y accéder, il faut marcher ou il y a une Ouais. route qui passe à côté? Là vous avez pas vu, mais enfin. On n'a pas vu, ouais. On va y aller au jugé. Ok, donc vous y allez directement? Ah, tu voulais prendre des jumelles, non, Oui. Howard? Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, je prends un pantalon quand même. C'est peut-être sage. Ah, nouveau changement. D'accord, alors vous remarquez quand même en passant là sur le front de mer, sur le port, de loin, vous remarquez que les bateaux de pêche sont partis. La plupart pêchent la nuit. Ah ouais. Celui des Avry y compris. Y compris celui des Havrais, ouais. Donc vous allez chercher votre petit matos, donc jumelles, pantalon, etc. Vous arrivez en voiture jusqu'au pied de la falaise. Il y a effectivement une route. Alors par contre, c'est la voiture d'Aileen que vous avez, je me souviens jamais. Je sais plus. Bon, peu Non, importe. c'était pas la mienne, il nous en avait Il vous avait fourni une. prêté une voiture un peu. Oui. Ouais, ok. Donc bon, la menace de la cradifier un peu, c'est pas très très grave, mais vous voyez que le chemin, ça devient vraiment des espèces de grosses ornières, un peu boueuses. Vous êtes bon, vous pourrez passer, mais enfin bon, si jamais il pleut ou un truc comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah, vaut mieux peut-être poursuivre à pied, hein. Ouais, ça serait dommage de s'embourber quoi. On va expliquer ça après. Par contre, il va falloir garer la voiture de façon discrète quand Ouais, même. on va se garer un peu plus loin et quitte à marcher un petit peu pour revenir sur ce chemin. Donc vous arrivez au pied de. Donc vous êtes arrivé au pied de cette falaise. Vous commencez à. Vous avez garé la voiture, vous commencez votre ascension. Donc il y a effectivement un petit peu de. Quelques endroits, un petit peu de boue. C'est assez boisé. Il y a plutôt pas mal d'arbres. Alors c'est pas une vraie forêt, mais enfin il y a quand même pas mal d'arbres. Mais c'est des arbres assez. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, ils sont un peu rachitiques. Du coup, les branches prennent des formes un peu étranges qui en plus sont accentuées par le fait que vous les voyez à la lueur de la lune ou à la lueur de vos lampes. Plus vous marchez, plus vous
vous sentez vraiment cette odeur de poisson un peu fermenté. Bon, à laquelle vous commencez à être habitué quelque part, mais ça devient vraiment de plus en plus fort. Et puis vous apercevez, qui se détache hein, devant l'horizon, une petite bicoque, vous serez très optimiste d'appeler ça une maison. C'est vraiment une espèce de cahute assemblée de briques et de broc. Alors ça vous fait finalement un peu penser aux espèces de baraques. Une espèce de baraque que vous aviez vu à Innsmouth, là le long des quais, baraque de pêcheurs. Donc c'est un assemblage, alors sauf que c'est des matériaux un petit peu différents, des bouts de bois, des rondins, des plaques de panneaux publicitaires. Donc voilà, donc ça fait un peu voilà maison de bidonville hein, finalement. Mais quand même assez bon, c'est relativement grand. Une espèce de porche ménagée avec deux espèces de poteaux qui doivent être des restes de réverbères tombés après une tempête ou un truc comme ça. Il y a donc vous voyez une porte pareil hein, qui est assemblée de bouts de machin, quelques trucs qui ressemblent à des fenêtres. Devant la maison, une espèce de fil qui est pendu avec plein de poissons qui est en train de sécher, qui est accroché à un fil qui est en train de sécher. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Filtre. Vous entendez ni voix ni enfin, aucun son de présence. Ok, moi je m'accroupis dans le noir là et puis. Pour observer la maison, j'essaie de repérer, je vois pas de chien non plus, a priori, de chien de garde, ce genre de choses. Non. Il n'y a même pas de chaîne ou de. Tu vois pas du tout de signe qu'il pourrait y avoir un animal de garde. Y a pas de niche, il n'y a pas de chaîne. Et la maison elle est toute seule, hein. Y a pas de voisins, ils sont. Juste cette bicoque posée. Là vous êtes arrivé à une maison tout à fait seule. Hein. Y a un petit une espèce de petit abri où vous mettez du bois. Il y a des toilettes quoi. Ah oui d'accord. De l'extérieur, il ne doit pas y avoir. Enfin vous voyez pas non plus de câbles électriques, ils doivent pas être électrifiés, ils doivent pas être reliés au réseau d'assainissement ou quoi que ce soit. Quoi. Ok. Alors je dis, moi je suis à peu près aussi discret qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce serait peut-être mieux que je vous attende là et puis je vous fais signe s'il y a quelqu'un qui vient. Tu veux rester vraiment seul ici Je garde une lampe torche pour faire des signaux. Si je vois quelqu'un qui arrive, je me mets sur le côté. Je me connais, si jamais je m'approche, je vais sûrement faire du bruit ou quoi. Aileen, c'est un vrai chat, vaut mieux. Oui. Bah en même temps, je suis pas super discret non plus. Bah oui, toi non plus, t'es un peu. Ouais. C'est pas mon style quoi. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste en couverture, nous. Ouais. Mais, voilà, je sors un petit mouchoir de ma poche, enfin de mon petit sac que je mets sous mon petit nez. C'est effectivement peut-être salutaire. Tu devrais y mettre quelques gouttes de parfum aussi, peut-être. Il est naturellement parfumé, je le porte sur moi régulièrement. Ah, bien sûr. Est-ce que tu as dit qu'il y avait un abri pour le bois oui. C'est un appentis ou c'est quelque chose qui est à part? C'est séparé de la maison, oui. Et c'est juste un abri, il y a le bois dedans ou ça fait une pièce, un genre de cabane ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas de mur, hein, c'est juste, c'est un toit finalement. D'accord. Et est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a un puits ou quelque chose, ou un endroit où il pourrait y avoir une trappe souterraine ou quelque chose comme ça? Un puits en pierre avec une manivelle et un seau, non. Où il pourrait y avoir une trappe, comme une cave qui serait en sous-sol, un accès vers un sous-sol. Sur la maison elle-même, la bicoque, tu vois pas de truc qui ressemblerait à un soupirail ou
truc, une cave à charbon, quoi que ce soit. Hein. Après, bah, tu peux farfouiller autour, mais bon, voilà, avec le. Si tu farfouilles, tu vas un moment ou un autre être à découvert. D'accord. Mais tu peux farfouiller si tu veux. Oui, je vais regarder discrètement le pourtour de la maison. Ok. N'oublie pas de nous regarder de temps régulièrement pour voir si on ne fait pas des petits appels de phare. Hein. Oui. Je vous regarderai avec attention. Ok. Alors tu peux me faire un toc, sachant que voilà, si tu rates, tu vas soit laisser des traces, soit te faire opérer. Donc 55 pour 31. Mais si je fais, enfin au niveau de la discrétion, je vais pas forcément laisser de traces. Si on en reste là, si. Après tu peux dépenser des points de chance si tu veux. Il faudrait que je dépense 24 points de chance, ah, c'est ça. 24 points. Ouais. Tu vas pas laisser un mot signé de ta main. Hein. Mais on remarquera que tu es passé. Que quelqu'un est passé. Ouais, non, j'en reste là. Okay. Donc effectivement, farfouillant à proximité de... Bon, c'est pas très très loin de la maison d'ailleurs. Vous êtes à une quinzaine de mètres. En débarrassant un peu la boue, les herbes, quelques cailloux, tu vois qu'il y a effectivement une espèce de grosse trappe métallique. Avec un crochet. Une trappe assez grande. C'est pas un truc où tu... C'est pas une bouche d'égout, quoi. C'est 2 mètres sur, je sais pas, 1,50 m. Pour l'instant, je laisse la trappe poilée. Je m'approche discrètement de la maison et j'écoute pour voir si j'entends du bruit à l'intérieur. Tu n'entends rien. De là où tu es, tu n'entends rien. Après, tu peux t'approcher éventuellement. C'était le but, oui. Je m'approche discrètement de la maison. Ah, c'est-à-dire que tu vas vraiment contre là, ok. Oui, pour voir si j'entends quelque chose. Braque. Ok. Écoute, je te propose de faire un jet d'écouter. Tu entends une espèce de bruit comme un... Est-ce que c'est un chuintement ou quelque chose d'un peu visqueux qui se déplace, qui sera en train de bouger, tu vois, un peu comme peut-être un liquide un peu poisseux qui sera en train de... qui serait à moitié en train de d'être en ébullition, tu vois. Qui plop plop et qui a l'air de venir de... Alors pas vraiment de la maison, c'est vrai que c'est plutôt vers le bas. Est-ce que il y a des planches qui seraient un peu écartées où je pourrais regarder sans avoir de manipulation à faire, enfin sans les détacher, sans faire pression dessus, vraiment un vrai jour où je peux voir quelque chose, quoi. Ah oui, mais il y a même des fenêtres, hein, des ouvertures. Faudra juste que tu passes la lampe dedans. Ah non. Enfin, je veux dire, si tu veux voir, tu peux jeter un œil, tu vas voir des formes, des meubles, c'est assez, c'est pas très 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 ordonné, il y a quelques espèces de pseudo-meubles assemblés un peu comme ça en bricolant, des espèces de couchettes, hein. Il y a un coin de la pièce où tu devines des couchettes, hein, à plusieurs niveaux. Des matelas qui ont l'air assez... plutôt des matelas de fortune, quoi. Ça fait genre sac de toile rempli de paille ou un truc comme ça. Puis toujours cette odeur de poisson, absolument. Je retourne discrètement vers la trappe et j'écoute aussi... Ouais, c'est pareil, j'entends genre... aussi cette espèce de glissement, quoi. Bruit, ouais, entre un glissement, quelque chose qui glisserait contre une paroi lisse, et puis un petit bouillonnement, chose comme ça. C'est assez lointain, tu penses, mais bon, comme tu as vraiment eu le wifi. Est-ce que je remarque des traces particulières au sol, en dehors des miennes que j'ai laissées? Il y a des traces de passage, et... Bon, c'est pareil, quoi. Si tu veux vraiment que je te dise des trucs, faudra que tu allumes ta lampe. Il y a des traces, quoi. Je retourne vers mes comptes, leur raconter ce que j'ai vu. Donc la trappe, le bruit que j'ai entendu. Ouais. Et voilà, le fait que si on veut en savoir plus, maintenant va sans doute falloir mettre un peu de lumière, quoi. Mais t'as remarqué aucune présence, hein, dans la maison quand t'as regardé. Oui.
J'ai juste entendu un bruit qui est suspect, donc. Mais qui a l'air plutôt de venir en dessous de la maison. Oui. C'est quoi comme genre de bruit? C'est suspect comment? Un peu, ça doit faire un petit peu comme un bruit de glissement, un genre de... Comme ça. Allez. Ouais. Tout ce que je déteste. Donc maintenant, je pense que si on veut en savoir plus ou observer davantage, ou il faut essayer de revenir 2 jours, l'air de rien, ou alors il va falloir prendre le risque d'utiliser les lampes torches. Et cette trappe que tu as vue, elle est fermée par un cadenas, elle est... tirer dessus. Ça avait plutôt l'air d'être enfin une grosse plaque de métal posée sur un trou. Disons que si on la bouge, vu qu'elle a l'air assez lourde, je pense qu'on risque sérieusement de faire du bruit. D'accord. En même temps, tout ce qui est autour, c'est relativement mou, hein, donc ça fera un peu de bruit, mais c'est pas non plus... Ça va pas faire un gros gling gling gling, quoi. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, ça me fout un peu les pétoches. Ces bruits de fusion là que t'as entendu. Ou alors, peut-être pas succion, hein, j'ai mal imité. C'est peut-être plutôt quelque chose de gluant, rampant. C'est pas mieux. C'est rassurant tout ça. C'est beaucoup mieux comme c'est dit comme ça. On a tout de suite envie d'y aller. Ou alors c'est une fabrique clandestine de confiture et c'est le bruit du... La marmite qui boue. Ouais, voilà. Ouais, ou de la confiture qui coule. Il y avait une odeur particulière ou... Pas de confiture. La confiture à moins que la confiture rose en choix, ça existe, ça. Mais... Confiture de Nyokmam. Voilà, c'est ça. C'est une petite fabrique de Nyokmam. Parce que ça pue, hein, ça. C'est clair. Moi, je serais plutôt d'avis de... Enfin, même si la curiosité m'étreint, je serais plutôt d'avis d'essayer d'abord de les approcher frontalement, de leur poser 2-3 questions, et puis de voir ce qu'on en ressort, s'ils ont vu nos prédécesseurs. Juste pour être clair sur ce que... Pour Aileen, tu es à peu près certaine que, à part le bruit étrange que tu as perçu et qui est quand même relativement lointain, qui a l'air d'être relativement loin sous terre, tu es à peu près certaine qu'il n'y a personne, t'as vraiment rien entendu. Tu veux vraiment que j'y rentre dans le truc, en fait? Non, juste pour être, clair. Donc je leur dis, bon, mis à part le... A priori, il n'y a personne. Dans la bicoque elle-même, quoi. Ouais. Bon, Elisabeth, vas-y, toi. Est-ce que je sais que j'ai laissé des traces? Ah non. Désolé, les amis, je n'en sais pas. Je te le dis à toi, l'oracle, mais Aileen n'en sait rien. Ouais. Du coup, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'y retourne ou... Vous avez de quoi Moi, je veux pas y aller toute seule. Hein. Non, c'est clair. C'est normal. Écoute, ça m'intrigue quand même. Si toi aussi, je suis prêt à te suivre. Ouais, je la sens la curiosité monter là. Mais disons que ce que je me dis, c'est que si nos amis ont été enlevés et qu'ils sont encore vivants, ils sont retenus quelque part. Donc, dans la maison, ça me semble peu probable, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne. Et voilà, par contre, c'est la trappe qui m'intrigue plus qu'autre chose. Je dis pas que dans la maison, y a rien, j'en sais rien, mais la trappe m'intrigue davantage. Je me dis qu'ils doivent bien être retenus quelque part, s'ils sont vivants. On est un peu là pour ça aussi. Hein. Donc, David, d'aller voir, jeter un oeil quand même. Si tu dis qu'il n'y a personne d'autre. Après, la maison peut peut-être nous dire ce qu'il y a dans la trappe. Hein. C'est peut-être moins risqué aussi.
Des cartes. Je crois que ça. Il y a ton micro qui déconne. Oui, on n'entend rien. Bon, moi je veux bien y retourner, mais pas toute seule. Hein. Alors, qui c'est qui vient avec moi? Je te suis, je te suis. Je viens. Et on tente quoi du coup? La maison ou la trappe? Mais la moi, trappe est la dans maison. La maison, c'est ça? Ou à côté À côté. Bah, elle est à côté. Ouais. Ben écoute, la maison d'abord. On peut, oui, voilà, ouais, on fait d'abord la maison. Si on trouve rien de spécial, on s'aventure pas peut-être dans la trappe, quoi. Eric, tu restes caché là pour venir. Je vous accompagne jusqu'à la maison, mais je descendrai pas dans la trappe. je serai prêt par contre à vous signaler s'il y a quelqu'un qui s'approche, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, faire le guet. Voilà, c'est très important de faire le guet. Oui. Il y a beaucoup qui veulent faire le guet en fin de partie, en général. C'est ça. D'accord, donc vous y allez tous les trois, c'est ça ? Qui me rend premier. Quatre. Vous allez à quatre ? Je crois que quelqu'un veut juste faire le guet. Ah, il attend devant la maison. Ouais, il attend devant la maison. Voilà, je t'accompagne à la maison, quitte mais à faire je ne descendrai pas dans le trou. Mais quitte à faire le guet, ça serait peut-être pas mal que justement il y en ait plutôt deux qui fassent le guet. Un à l'extérieur, loin là où tu étais positionné au départ, et un à côté de la porte d'entrée qui piste justement celui qui est loin. Ça, en fait, c'est celui qui est loin qui va voir en premier. Ouais, mais je pense que, enfin, d'après ce que... Ça dépend ce que tu en penses, Boulash. Moi, d'après la description que tu nous as faite, quand on est aux abords de la maison, on voit assez loin, enfin, sur ce chemin qui y mène. Alors, il y a quand même des arbres, donc... Ah bon? D'accord. Puis ça serpente si, un peu, il y a des rochers... Je risquerais de les voir au dernier moment, en restant près de la, juste collé à la maison. Peut-être pas au dernier moment, mais ils seront à, tu vois, à 200 mètres, quoi. Oh, bah ça va, 200 mètres. Le temps non, de te barrer, toi, mais les autres, ils seront coincés. Non, enfin, oui, voilà, quoi, il y aura le temps de faire un truc en catastrophe, mais... Non, restons unis, restons ensemble. Ok. De toute façon, les Havris sont partis à la pêche, là, donc... Si c'est vraiment des pêcheurs, ils vont pas rentrer avant le petit jour. Hein. Ok, donc vous essayez de pénétrer dans la cabane? Bah oui. Donc, celui ou celle qui essaye la porte, vous voyez qu'il y a une espèce de petit loquet, mais qui se défait sans problème. Vous ouvrez et puis il y a une. Là en plus de l'odeur de poisson, il y a aussi une petite odeur de pourriture, quoi. De viande un peu avariée, de légumes pourris. Puis en regardant un peu par terre, alors je suppose que vous avez allumé vos lampes du coup. Oui, pour voir quelque chose. Oui, une seule. Moi, on devrait en allumer une seule. Ouais, une seule, ça me semble plus raisonnable. Ouais. Une seule à la fois et. On recouvre au maximum. Parce que ça voilà. Doit pas être bien grand. Oh, quand même, c'est pas... Assez grand. Tu penses qu'il y a quand même plusieurs... au moins 8-10 personnes qui vivent là-dedans, vu le nombre de couchettes hein, qu'il y a. Il y a aussi une patère au mur alors, qui est vide. Hein, où il y a une ou deux écharpes, tu vois, accrochées dessus. Mais tu imagines que c'est là qu'on accroche les cirés. Un truc comme ça, le matos de pêche. Il y a un petit coin, une espèce de petit atelier où il y a un petit peu de matériel, du cordage. Vous imaginez qu'ils font leur filet, un truc comme ça là-dessus. Enfin, ceux qui n'arrivent pas à réparer dans leur bicoque, ils doivent les faire ici sans doute, quand ça nécessite des réparations un peu plus grosses. Un peu de matériel mécanique. Donc pas mal, ouais, des détritus par terre, il y a des os un peu rongés, des poissons à moitié dévorés. Et dans une pièce qui dans un autre coin de la cabane qui constitue presque une pièce, il y a ce qui ressemble à un bureau. Il y a l'air d'avoir quelques papiers. Là c'est plus ordonné, c'est plus rangé que le reste de la maison. Il y a également une petite. Plus de petits placards à côté. Voilà, donc il y a les couchettes, le coin mécanique, le coin de l'atelier, un endroit, une espèce de pseudo-table, qui est plus une planche posée sur des caisses.
Et puis donc ce petit coin avec un espèce de bureau. Je vais aller jeter un œil dans l'armoire. Moi le bureau. Ok, donc Howard dans le. Oui. Je suis Elisabeth. Ouais. Donc Howard dans le. Tu ouvres le placard, il y a une. Quand tu ouvres, tu sens qu'il y a quelque chose qui est un petit peu tombé, qui doit être un peu appuyé contre la porte. Donc ça tombe un petit peu et ça fait une espèce de petit cliquetis. Enfin. En tout cas de bruit métallique. Quelque chose qui est un petit peu tombé, et tu vois qu'il y a quelque chose qui brille juste devant tes yeux. Il y a dans ce petit placard qui est accroché à une des espèces de cintres, ce qui ressemblerait à des espèces de robes, on va dire. Et donc ce truc qui vient de tomber, ça ressemble à une couronne ou un diadème, plutôt une couronne, on va dire, d'un style qui était vraiment, enfin ça ressemble vraiment pas du tout à des bijoux que tu trouverais sur la 5e rue. Ça fait plutôt antique, quoi. D'accord. Bah, j'interpelle Aileen pour savoir si t'as déjà vu ça, si t'arrives un peu à situer, à estimer la valeur de ce truc-là, quoi. Ah, c'est très joli. C'est la prudence me retiendrait pas, je le mettrais de suite sur ma tête. Est-ce que je peux du coup essayer de savoir si j'ai déjà vu ça quelque part ou... Tu peux faire un jet de... Ouais, je pue ta histoire, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est joli. Voilà, c'est joli. Enfin, non, joli, non, c'est pas joli. Justement, c'est plutôt un truc qui te met un peu mal à l'aise. Une espèce de... C'est une forme assez irrégulière finalement, une espèce de protubérance à des endroits que tu comprends pas trop pourquoi. C'est-à-dire que ça correspond pas à ce que toi tu imaginerais du design d'un joaillier ou quelque chose comme ça. Tu comprends pas pourquoi c'est fait comme ça. T'as même l'impression qu'il y a des espèces de petites protubérances qui sont à l'intérieur de cette tiare. Comme si c'était des trucs qui étaient censés piquer dans la chair, un truc comme ça, de la tête. Puis à l'avant, il y a une espèce de protubérance qui te ferait presque penser à un cou, peut-être d'un serpent ou d'une anguille ou un truc comme ça qui est vraiment sur le front, quoi, au niveau du front, avec des petits motifs autour. Il y a quelque chose qui pourrait ressembler à des pierreries aussi, mais c'est pareil, c'est pas des pierres précieuses comme tu aurais pu en voir. Et le design ne dit vraiment rien du tout, quoi. Bien, je ne vous recommande pas d'essayer cette tiare. J'ai la sensation que rien de bon peut arriver si on la met sur sa tête. Regardez là, à l'intérieur, ça me semble être plutôt dangereux qu'autre chose. Ah oui, effectivement, ouais, c'est pas particulier. C'est fait à base de quoi? C'est du métal ou principalement, oui. Ou un crâne humain ou... Non, ça a l'air d'être du métal, oui. Et du coup, ça s'est tombé de l'intérieur de l'armoire, c'est ça? Oui, ça devait être accroché, et ça s'est tombé quand t'as ouvert la porte. C'est juste pour l'effet dramatique. Oui, ok, ouais. Et au niveau des robes que t'as dit qui sont accrochées à l'intérieur, c'est des robes de valeur aussi, ou... Non, ça a l'air d'être des robes de drap. Alors c'est pareil, quoi, c'est un drap, okay. Une matière un peu... Je saurais pas trop dire ce que c'est. C'est tissé d'une manière un peu étrange. Mais bon, c'est des robes ordinaires, quoi. Des motifs aussi un peu bizarres, mais... C'est bizarre, quand même. Ouais. Enfin, bref. Je ramasse la couronne et... précautionneusement, pour pas me piquer, je prends un mouchoir et je le ramasse et je la repose à l'intérieur de l'armoire. Le mouchoir, c'est pour les empreintes ou... Non, c'est pour pas me piquer. Okay. Et pour les empreintes aussi. Ok. Bah, tu la replaces à peu près comme tu pensais qu'elle était. Et donc, Elisabeth était en train de faire fouiller le bureau pendant ce temps. Donc, t'as.
Il a l'air d'être plutôt bien mieux rangé que le reste de la maison. Il y a quelques papiers qui correspondent à des reconnaissances de dettes ou des espèces de factures, hein, quand ils ont vendu telle quantité de poissons, un truc comme ça. Bon, c'est des trucs assez ordinaires. Mais tu remarques quand même quelque chose. Dans une petite boîte, genre boîte à cigares, il y a une liasse de billets avec une somme assez. C'est des billets de 50 dollars. Il y a quand même une petite liasse, donc ça fait une somme assez rondelette. Surtout vu l'état assez délabré de l'endroit, ça fait un peu étrange d'avoir une somme aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a de quoi s'acheter une voiture avec. Avec l'épingle qui est autour de cette liasse, vous la reconnaissez? C'est le même sigle que vous avez vu sur l'enseigne du casino de Giacome, qui est votre employeur finalement. Et il y a également une lettre qui a l'air également avec pareil quoi, avec le logo du casino, qui a l'air d'être une lettre genre lettre d'affaires quoi. J'appelle Aïe. Viens voir. Tu as vu la liasse de billets avec. T'as vu la pincette Oui, il y a Ça de dit fortes pas quelque chose? probabilités. Oui, ça ressemble beaucoup au signe de la famille. Il y a de fortes probabilités pour que nos amis soient passés par ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre? Bah tu. Bon là, sans les détails, hein, mais c'est une lettre qui fait. Qui a l'air de d'établir les bases d'une relation d'affaires. Et en gros, les représentants de Giacone, alors vous reconnaissez pas le nom, mais vu que c'est l'en-tête du casino, vous pensez que c'est ses représentants, ont l'air de suggérer que bah, la famille Avery pourrait fournir leur service de transport discret, alors c'est toujours un mot couvert, en échange de quoi il serait. Alors il y a des petites allusions, alors il parle évidemment des échanges, d'une récompense pécuniaire, et puis il parle également de soutien dans vos. D'aide logistique dans vos problèmes dans vos problèmes locaux. Vous voulez qu'on fasse quoi? On la garde cette lettre ou on remet tout en place? On l'a lu, hein. Donc ouais, je sais pas, je pense plutôt la remettre en place. Si jamais on va leur poser des questions et s'ils s'en rendent compte que voilà, ça a été fouillé ou quoi que ce soit, je pense que ça les bloquera plus que qu'autre chose quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, Oui. la couronne, tu en as fait quoi, Ward? La Bah, tiare? je l'ai remis à sa place dans l'armoire. Ouais. La rangée, ouais. Ah, on laisse pas de traces. Dans le bureau, on serait plutôt dans l'armoire. Après avoir rangé la tiare, il y a une espèce de gros livre, de gros, enfin qui fait plus grimoire d'ailleurs. C'est peut-être plutôt Howard qui l'aurait remarqué. Donc un gros bouquin avec qui a la couverture. Enfin, t'as l'impression que la couverture est abîmée, puis après tu te rends compte qu'il y a des espèces de petits coquillages incrustés dedans. Ok, bah je regarde, il y a un titre Y a sur pas la de titre. tranche ou rien du Euh, tout. y a pas de titre. Et puis quand tu l'ouvres, tu vois des symboles. Bon, ça devrait être du langage. Hein, c'est pas des dessins, mais ça te dit absolument rien. C'est espèce de courbes, des spirales, des courbes. Ça ressemble un peu aux glyphes qu'il y avait, enfin des glyphes, des formes qu'il y avait sur la tiare un peu, ça ressemble au niveau du design. C'est difficile à dire. Ça pourrait, mais c'est pas franchement. Enfin, sur la tiare, il n'y avait pas d'inscription. D'accord. Enfin, en tout cas, Et rien qui ressemble. surtout toutes les pages du grimoire, il y a ce genre de hiéroglyphes. D'accord. Ah, vous avez du Meat Dinsmouth, je crois. Oui, connaissance d'Innsmouth. Connaissance d'Innsmouth. Donc, vous pouvez éventuellement me faire un jet là-dessous.
Ou Mythe de Cthulhu Ouais, c'est plus Innsmouth en fait. Ok, ça se tend. Vous pouvez le Eric et Elisabeth, vous pouvez tenter aussi. Ah non, Elisabeth bah est pas dehors. Ni moi ni Eileen avant bon, okay. cette connaissance. Okay. Je peux regarder par contre, voir si j'ai pas déjà vu un ouvrage ou en tout cas oui, un livre antique qui ressemblerait à ça. Alors c'est pareil, admettons pour le faire un jet donc de Mythe de Cthulhu. Tu peux faire aussi Elisabeth si tu veux. Ah, je pensais pas ça, je pensais plutôt, tu sais, à des découvertes archéologiques ou des choses comme ça qui auraient une apparence un peu semblable. Mais je peux faire un Mythe de Cthulhu. Hein. Bah, ta connaissance d'historienne ne t'apportera rien du tout là-dessus. Il faut s'intéresser à l'archéologie off. Okay. Et du coup, Mythe de Cthulhu, je lance quand même ou pas? Bah vas-y, si tu veux. Voilà. Donc ça te dit absolument rien. Est-ce que je peux aussi tenter un mythe ou pas? Bah toi t'as lancé sur le smooth. Ok. J'en reviens pas plus. Ouais, enfin t'as fait 87 même si j'avais. Oui, fait... ouais. Voilà, donc ça vous dit vraiment que dalle. Sinon que. Enfin. Dans le sens, c'est même pas. Ça vous échappe, c'est quelque chose que vous n'avez pas étudié dans le bouquin. C'est genre vous avez jamais vu ça de votre vie. Quoi. Ça vous. Alors, d'un ça côté. Pourrait venir de la vie, quoi. Oui. D'un côté, je serais tenté de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'on est venu, mais d'un autre côté, je trouve que ces deux objets sont quand même très intéressants pour votre ami qui a l'air d'avoir des connaissances très très approfondies, le professeur dont j'ai perdu le nom. Armitage. Oui. Alors, ou alors on les prend en photo, mais... Il faudrait pour ça que Eric accepte de rentrer dans la maison. Il est bien dehors là, non? Bah, vu que ça me... Est-ce que ça me rappelle un peu Innsmouth ou pas du tout, vu que j'ai raté le G Ça me fait penser à cet endroit-là ou... Alors qu'à... carrément pas... L'endroit où tu te trouves te fait penser à Innsmouth, hein, ça sent le poisson... Mmh. D'accord. Ben, je fais quand même appel à Eric vu qu'il était aussi avec moi et je l'interpelle. Je dis écoute, tu voudrais pas jeter un œil je te relais dehors pour faire la garde. Pourquoi ben, je sais pas, il y a un grimoire. T'as pas confiance en moi? Non, mais j'aimerais bien que tu jettes un œil à ce. à ce bouquin. Si tu veux bien. J'y vais. Mais je traîne pas. Hein. Alors je rentre dans la maison en transpirant, de peur. Eric bon, bah, il n'y a rien à signaler dehors. Hein. Il paraît que vous avez trouvé un bouquin. Ah, ça pue ici. Ah, ça pue plus que dehors encore. Hein. Ah, c'est bien fait. Et en plus, des odeurs de bouffe avariée, enfin, c'est un peu dégueu. Quoi. Et puis, ils mangent par terre ou quoi, c'est genre, t'as vu ça ? Il y a des trucs partout par terre, c'est dégueulasse. C'est normal qu'ils tombent malades. Ah bah, je m'approche du bouquin, je le regarde. Bah voilà, pareil, enfin, c'est un truc, ça t'évoque vaguement. Ça te rappelle Innsmouth, donc tu peux faire un jet, si tu veux. Ou en mettre de Cthulhu même, hein. Enfin, bon, peu importe. Et bah, je vois ce truc-là, je me dis, bah, ça a l'air d'être un bouquin précieux pour ces types-là. Là. Peut-être que si on le prenait, si on leur shippait le bouquin, ça pourrait nous faire un moyen de pression pour discuter avec eux. Oui, ou ça signerait un arrêt de mort aussi. Oui, voilà, il y a les deux possibilités. Ou peut-être prendre une page. Ah, je peux recopier, enfin, je peux griffonner. Non, déchirer, carrément. Ah, tu peux la prendre en photo aussi ou...
Ah ouais, dans le noir comme ça, avec un flash, ça marche? Bon, vous avez des lampes, puis... Ouais, bah, Là. je vais faire une... Avec le flash, ouais, je Si je peux pense. faire une photo ou deux, ouais, je vais en faire Bon, ouais, quelques... donc il n'y a pas de problème, on t'a pris quelques clichés. Ok. De l'espèce de couronne aussi. Prends, ouais. Ouais, c'est ça, prends la tiare aussi. Ah, ok. Et puis, bah... On va peut-être pas traîner là, hein. Vous voulez aller voir la cave aussi, non? Oui, ça serait bien, je pense. Il est quelle heure là maintenant? Oh, je dirais qu'il est 11 h là. Il n'y a pas de double fond au bureau? Écoute, non, vous avez farfouillé un peu partout. Et maintenant que je suis là, je regarde aussi l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on voit des choses comme je sais pas moi, des portraits, des photos, des trucs d'une vie de famille normale dans cette maison? Non. Des jouets, des choses comme ça. Pas du tout, non. Ouais, ils sont vraiment pas comme nous, quoi. Pas du tout, ça fait plus. T'as dit qu'il y avait une dizaine de lits, non, c'est ça? Oui, ou entre 8. Vous pensez qu'il y a entre 8 et 10 occupants, entre les crochets au mur, entre les patères et les couchettes, oui, il doit y avoir une dizaine. Il n'y a pas de garde-manger? Y a certainement une caisse avec quelques légumes, quelques navets, quelques racines. D'accord, mais a priori, ils cuisinent pas vraiment, Et quoi. puis par terre, il y a plutôt voilà, c'est des bouts de poisson à moitié dévorés, quelques ossements. Il n'y a pas de casserole, de trucs comme ça. Pas du tout, non. Oh là là. Oh, on est tombé sur des sauvages, là. C'est des... Peut-être qu'ils cuisinent ailleurs? Ah ouais, peut-être dans la cave. Ah. C'est peut-être des fins gourmets. Ou pas. Peut-être du super Roquefort, en cas, on sait rien. Bon, moi je reste pas là, hein. Je ressors. De la configure. Non, moi. Je ressors de la maison avec mon appareil photo sous le bras. Donc vous avez remis le bouquin, la couronne, en place. Les lettres, le pognon. D'accord, donc il y a une chouette qui ulule. Ouh, ça vous fait un peu tressaillir quand vous sortez de la maison. Moi, je suggère qu'on rentre à dormir. On verra ça demain. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que ça me semble plus discret de descendre dans la cave de nuit qu'en plein jour. Ouais, surtout qu'ils sont pas là, là. Il Et est quelle heure? On est. que s'il est vers les 11 h, je pense qu'ils rentrent de pêche au petit matin, je pense. Enfin, généralement, les pêcheurs normaux, on va Oui, c'est dire. ça, ouais. Très bonne idée, on va faire le guet, Eric et moi. Ouais, voilà. Avec Elisabeth, on va s'écarter l'un de l'autre d'une quinzaine ou d'une vingtaine de mètres pour couvrir le plus possible l'arrivée de la maison. Ok. Et de façon à pouvoir se prévenir mutuellement si quelqu'un approche. D'accord. Et donc Aileen Oui. et Howard, vous essayez de d'ouvrir, c'est ça? Bah, je peux les aider à ouvrir la trappe s'ils ont besoin, hein, bien sûr. Ok, la plaque est pas tellement lourde, hein, c'est du métal, enfin, c'est plutôt de la tôle ou un truc comme ça. Il y a un petit peu de terre, de racines et de cailloux qui tombent dans le trou. Vous voyez qu'il y a un escalier de pierre qui s'enfonce dans l'obscurité. Et une odeur. Alors là, et là, l'odeur qui vous vient du trou, vous attendiez. Ça aurait pu être un truc encore plus renfermé, mais là en fait c'est presque de l'air frais. C'était l'air du large, l'air qui sort de ce trou est moins vicié que tout ce qui était autour de cette maison, quoi. Donc voilà, donc cet escalier de pierre qui s'enfonce dans l'obscurité. Oh, ça a l'air moins nauséabond là en bas. Hein. Et donc bah bon, maintenant du coup vous êtes avec les lampes, donc bah Aileen, tu remarques. Bah, tu vois maintenant en clair, hein, les traces que tu avais repérées tout à l'heure. Il y a des traces qui ont entre la trappe et la maison essentiellement, mais également un peu autour. Et ton.
tu es très perplexe. Il y a une trace qui te semble. Enfin, tu en remarques tout d'abord une et après tu te rends compte qu'il y en a plusieurs. Tu t'approches un petit peu, tu regardes attentivement avec ta lampe et tu te rends compte que ce sont des pieds qui sont non seulement nus, tu te rends compte que ce sont des pieds palmés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois très clairement dans la boue, enfin dans la terre, quoi, c'est enfoncé entre les orteils, quoi. C'est dingue, j'ai jamais vu des empreintes de pas pareilles. Je vois ça, moi. Bah si, je suppose que, je sais pas, si Aileen te le montre, oui. Bah elle est pas là, en fait. Est-ce que, je pense que Howard, il a dû voir les pieds des gens à Innsmouth, non? Possible. Est-ce que il se rappelle d'avoir vu des pieds palmés comme ça ou bah les mains, je me souviens que on les avait vus. T'as vu des mains palmées? Ouais. Parce qu'il y en aura, il y en avait certainement deux ou trois qui étaient pieds nus. Ouais. Donc je dis à Aileen, écoute, à Innsmouth, ils avaient l'air d'être un peu palmés, on va dire aussi. Ces empreintes-là correspondent à ces gens-là. Hein. Oh mais quelle horreur! Et là j'essaye d'imaginer les chaussures qu'ils peuvent porter. Ah bah, des surmesures à mon avis. Des tongs. Ah non, les tongs avec le palme, ça marche pas. Ça marche pas trop bien. Ça doit faire mal, putain, mais c'est pauvre. Par contre ça doit être pratique pour nager. Je serais pas étonné qu'il y ait de l'eau plus bas. Donc. Il y a donc cette ouverture dans le sol. Que faites-vous? Est-ce que s'il y a du passage, il y a peut-être des torches qu'ils allument pour descendre ou des trucs comme ça, non? Ou un moyen d'éclairage Tu regardes sur les parois et tu vois pas de torchère. Non. D'accord. Bon, peut-être qu'ils utilisent des lampes de poche aussi. Howard, tu penses pas qu'on devrait dire aux autres de venir avec nous? Parce que là, où? Enfin, moi je suis pas rassuré quand même, hein. On est que tous les deux, est-ce que... Tu te sens capable de les convaincre de descendre? disons que l'argument 4 morts valent mieux que 2 tient pas bien la route en fait. Ouais, je sais pas, ça me titille quand même de voir ce qu'il y a là en bas en fait. Bon, on peut peut-être continuer, voir un petit peu plus loin, et puis si on voit que c'est vraiment trop risqué, on rebrousse chemin. Moi ce qui me rassure un peu, c'est que ça sent moins, enfin l'air frais vient d'en bas en fait, c'est moins nauséabond quoi. Certes, je suis pas très convaincu quand même. Je fais signe une fois à Aileen de se taire et on pourrait écouter si on entend quelque chose qui vient du fond. Pour si on entend quelque chose de bizarre. Aileen a déjà écouté par ici, bon, toujours Louis bien fine. Tu entends toujours cette espèce de bruit de truc qui glougloute. Qui suinte, qui glisse sur quelque chose. Tu penses aussi entendre peut-être encore plus loin un bruit de clapotis, bruit du ressac, quoi, le bruit des vagues. C'est oui, il y a de fortes probabilités pour que ça débouche, oui. Pour que ça débouche sur la mer. Hein. Ouais, c'est peut-être une crique souterraine ou un truc comme ça. Bon, avançons un peu, nous attendons pas trop non plus. Hein. Bah, vous descendez en essayant de faire un petit peu attention, vous rendez compte que les marches sont quand même assez glissantes. Il y a une espèce de petite couche de limon qui couvre les marches au bout de quelques mètres dans le trou. C'est très humide, vraiment des gouttes qui commencent à couler le long des parois. Vous descendez, puis à la lueur de vos torches, vous rendez compte que l'escalier tourne un petit peu. Vous allez arriver dans une grande pièce qui a pas l'air d'être une caverne naturelle. Ça a l'air d'avoir été taillé. C'est une
grande pièce ronde, alors ça doit bien faire une quinzaine de mètres de diamètre, hein, de rayon, donc voilà, 30 mètres de diamètre. Il y a des espèces d'objets en pierre, ça vous ferait peut-être penser à des bancs ou à des pupitres comme ça, qui sont côte à côte et qui sont tous dressés devant le fond de la caverne, le fond de la caverne où il y a quelque chose qui ressemble finalement à un autel. Et là vous entrez, vous mettez les pieds dans cette pièce et vous voyez cet autel, et juste derrière il y a une espèce de statue qui doit bien faire 4-5 mètres de haut. D'une créature humanoïde qui a l'air dont les membres ont l'air de recouverts d'écailles, qui n'a pas vraiment de cou. Le haut du crâne a l'air plutôt plat et d'énormes yeux globuleux, et elle ouvre une bouche assez terrifiante parce que ça ressemble à une bouche de poisson mais qui est garnie de crocs absolument immenses. Donc je vous demanderai de me faire un petit jet de santé mentale. Donc Howard, tu vas perdre un des 4. Tu peux le lancer. Voilà, et donc tu perds 3 points. Donc vous voyez qu'il y a tout autour de la pièce, il y a des espèces de braseros qui sont pour l'instant éteints. Il y a apparemment quelques petits ustensiles qui sont posés sur l'autel. Et une issue, apparemment un couloir qui descend. Un petit peu. Que faites-vous ? Je vais jeter un œil aux ustensiles. Je touche à rien pour l'instant. Et cette statue est devant un style d'hôtel, c'est ça ? Ouais, c'est un hôtel de pierre. Alors il y a une espèce de petit tissu brodé hein, par-dessus. Mais... Un hôtel de pierre. Ok, et à part ce tissu, il n'y a rien de posé au-dessus Il y a quelques ustensiles, il doit y avoir un petit calice, quelque chose qui ressemble à des couteaux, quoi, plutôt des stylets. Une espèce de sceptre peut-être. Toujours dans cette espèce de. C'est du métal qui vous fait un peu penser au métal de la couronne. Dans le style, bon. Dans le même style quoi, avec des ornements. Ouais, c'est plus. C'est moins travaillé quoi. La couronne c'était vraiment du travail assez chiadé quoi. Après, c'est des trucs un peu plus grossiers mais. Ah, nous sommes clairement dans un lieu de culte. Ouais. Il y a des. Je sais pas, il y a des inscriptions ou un bouquin ou quelque chose. Alors il y a clairement un endroit avec quelque chose qui ressemble à un pupitre. Hein. On pourrait mettre un bouquin, mais il n'y a pas de bouquin dessus. Et puis je pense que oui, sur l'autel ou peut-être sur le socle de la statue, il y a quelques symboles qui ressemblent aux symboles que vous avez vu dans le bouquin. Ah, c'est dommage qu'on ait pas l'appareil photo. Est-ce qu'il y a des traces de sang ? Tu ne crois pas. Ou alors ça a été. C'est sûr qu'il y aurait des grosses traces brunes, hein, tu penses, mais en même temps, vu le reste de la caverne, tu penses que si ça a été un tout petit peu nettoyé, ce serait parti rapidement, parce qu'il y a vraiment de l'eau qui coule tout le temps, qui surne tout le temps, qui coule du plafond. Donc rien ne nous prouve que ça soit un endroit où on fasse des sacrifices, même si ça y ressemble, fortement. Mais ils ont l'air quand même de descendre assez souvent, apparemment quand même aussi. Hein. Ok... Il y a une autre, il y a un autre passage qui mène ailleurs. Ouais, il y a un couloir qui a l'air de descendre. Ah, qui descend encore plus. Ouais. Il n'y a pas de petits coffres, de trous dans le mur, de choses comme ça où il y aurait des choses renfermées. Non. Enfin, il y a peut-être une alcôve ou deux où il y a pareil de même type d'ustensiles, hein, des objets qui font effectivement penser à des objets de culte. Hein. Pas de mitre quoi, mais vous voyez l'idée quoi, des trucs. On agite pour apaiser une divinité quelconque. Rien de remarquable. Enfin, en tout cas plus remarquable que ça. Attends-nous, ne restons pas là ce serait dommage de perdre du temps et que le soleil se lève. Oui.
Si ça se trouve, au niveau de la descente, ça pourrait nous ramener au niveau du port. Tu sais, c'est difficile à dire. Enfin, ça descend très certainement en bas de la falaise. Hein. Puis vous avez sans doute entendu ce qui était le bruit des flots. Ah, si Non, ça se trouve, de quel côté c'est difficile à dire. si ça se trouve, ils amarrent les bateaux là-bas en bas et ils remontent par là, quoi. Raison de plus pour se dépêcher. Et les bateaux que vous avez vus n'étaient pas amarrés particulièrement proches de la falaise. Hein. C'était quand même une petite trotte. Ouais, moi ça me fait quand même penser un peu à des, comment dire, à des tunnels, hormis maintenant les trucs sacrificiels, enfin les rituels, un couloir ou un truc de contrebande, hein. Oui, c'est sûr. Après, l'aspect sacrificiel pourrait laisser penser que il y aurait peut-être des cages ou quelque chose, enfin des genres de cellules qui garderaient renfermés les êtres à sacrifier. Donc, si jamais c'est le cas des gens qu'on recherche, il faut qu'on pousse un peu plus loin. Oui. Ben, on hâte le pas. Vous Enfin. aventurez dans ce couloir qui descend? Ça descend à pic ou pas? Parce que t'as dit que c'était très glissant. C'est pas à pic, mais ça descend quand même bien comme il faut. Ça glisse un peu, ouais, faudra faire attention. Voilà, bon, C'est je fais assez attention. escarpé, ouais. Alors vous faites quelques dizaines de mètres dans ce nouveau couloir. Et vous vous rendez compte que ça commence, enfin le couloir se divise en plusieurs. Il commence à y avoir un réseau de galeries, il y en a qui remontent un peu, il y en a qui descendent franchement. Et par de l'un de ces couloirs, tu entends de manière beaucoup plus forte le bruit que tu entendais depuis tout à l'heure, Aileen. Un couloir un boyau qui part par la droite, qui descend un petit peu. Là, tu vois, t'entends très distinctement que ça vient de là. Là, du coup, si ça commence à se diviser, qu'on commence à être loin de nos amis, je me vois pas partir toute seule dans un couloir. Même si on part tous les deux, s'il y a quoi que ce soit, comment ils vont faire pour nous prévenir? Là, je commence à me dire je suis pas sûr qu'on soit en sécurité, si on pousse un peu plus loin. Ouais, surtout si on n'arrive pas à retrouver la sortie, si ouais, on n'est pas équipé pour ça. On fait quoi? On remonte et on voit pour prévoir une exploration un peu plus approfondie une autre fois ou... Ouais. Et peut-être demain, en plein jour, peut-être faire un tour par en bas au niveau de la comment dire? Ah oui, essayer de repérer la sortie. La sortie, ouais, ou l'entrée, ou enfin l'autre bout, quoi, du côté de mer, quoi. Ouais, pourquoi pas. D'accord, donc vous remontez? Oui. Oui, Oui, ça me semble plus sûr. courageux, mais pas téméraire. Ok. En remontant, vous remarquez quand même. Bon, je pense que c'est Howard qui trébuche dessus, qui manque de se vautrer dans ce passage. Un petit morceau de bois qui te fait penser à une caisse. Et une espèce de sigle dessus qui te fait un peu penser à. Bah, sans doute le très bon whisky que vous avez dégusté pendant le bal. C'est un vieux morceau de bois hein, qui est là depuis sans doute un moment. Un morceau de caisse quoi, Un c'est pas morceau une de caisse caisse, complète. ouais. Donc vous ressortez, donc. Un petit peu haletant, avec les yeux un peu écarquillés, surtout Howard qui avait un truc pas cool. Repasser devant cette statue, d'ailleurs ça n'a pas été facile du tout, Howard, t'avais pas. Ah je Je pense dévie le regard. que tu regardais exprès le plafond. Oui. Plutôt par terre. Où je mets les pieds, quoi. Et donc voilà, donc il est à peu près minuit, je pense. Et vous retrouvez vos amis qui sont là, qui n'ont rien vu de particulier, qui n'ont fait que s'effrayer de petits bruits nocturnes comme les chouettes, les petits rats musqués et compagnie qui se baladent, les hérissons. Et puis on s'inquiétait pour eux aussi. Donc vous êtes bien soulagés de voir leur tête hébergée de ce trou, même si Howard a l'air un petit peu perturbé.
Ah, je suis clairement pâle. Hein. Je me sens pas bien. Ouais, vous nous raconterez ça à la pension, là. On reste pas là. Vous voulez pas aller voir, vraiment? Bah, vu la tête de Ward, ça donne pas envie. Hein. Vous avez croisé du monde ou quoi? Non, une statue uniquement, mais il faut croire que Howard a pas, a pas vu beaucoup d'œuvres d'art dans sa vie. Ne parle pas de cette statue, oh, c'est horrible. Bon, l'artiste devait pas être excellent. Ça m'irrisse les poils. Je veux même pas en parler, je me mets en route pour retourner à la voiture. Ok, donc vous replacez la plaque. Ouais, on essaie de masquer un peu nos traces. Ouais. Et vous repassez, vous retournez à la voiture, donc sans rencontrer personne, hein, si ce n'est un quelconque prédateur nocturne. Ah, ça va mieux. Et vous repassez, vous faites démarrer la voiture, et vous retrouvez assez rapidement à Summers Point, à proximité de l'auberge. Vous vous rendez compte que vous sentez toujours un petit peu la vase et le poisson fermenté. Ah, je pensais pas que ça me ferait autant plaisir de retrouver cette ville de Summers Point. Ça s'est un peu accroché à vos vêtements, ce fumet. Oh, mais moi, il faut absolument que j'aille me laver immédiatement. C'est insupportable. Ah, mais la première chose que je fais, c'est je prends une douche en rentrant. Oui, moi aussi, je demande un bain direct. Ok, donc là, ça vous soulage évidemment beaucoup. Alors c'était un tripot clandestin ou quoi, ce sur quoi vous êtes tombé? Non, on aurait plutôt dit une pièce sacrificielle ou en tout cas un lieu de culte manifestement. Ah ben, d'ailleurs, il y avait des empreintes de pas bizarres. On aurait dit des pieds avec des pieds palmés. Et l'espèce de statue affreuse là était pleine de dents acérées, pointues. On aurait dit une figure humanoïde, mi-humaine, mi-poisson. C'était très étrange. Quand on avait séjourné à Innsmouth, on avait croisé toute une communauté comme ça. On t'avait dit, c'est des gens comme ça qui commençaient à ressembler, qui avaient des traits de... comme si c'était croisé avec des poissons et... Ah mais là c'était clairement pire en fait, c'était... Tu vois les... Tu te souviens des gens d'Innsmouth? Ouais, bah là ouais. C'était vraiment le... L'évolution de ça en fait, dans cette direction là. C'est horrible. Et les gens d'Innsmouth, s'ils pratiquaient un culte particulier ou... Bah oui, a priori il y avait... ils avaient une sorte d'église à eux... et des croyances à eux, mais on n'a pas trop creusé ça. Ouais, à tous le les coups, ce que vous avez vu, ça doit correspondre à l'une de ces croyances. Ouais. Oui, vous avez pas vu d'imagerie, pas de statue, rien de ces... Non, on n'a pas pu rentrer dans leur lieu de culte. Mais c'est plus des humains, ces gens-là. Et ils pratiquaient le sacrifice humain? Ah non, je crois pas. Enfin, non. Non. Non, on n'a pas eu connaissance de ça. On avait plutôt l'impression d'une communauté très fermée qui veut pas trop qu'on s'occupe de ses affaires, quoi. Et en même temps, qui était assez vindicatif quand il s'agissait de venger les siens. Ah bah oui, d'accord, oui. Mais vis-à-vis de nous, a priori, au départ, ils avaient rien contre, à part qu'on... On n'est peut-être pas spécialement les bienvenus dans leur communauté, mais ils nous ont pas attaqués ni rien, quoi. Non. C'est une sorte de peuplade. Je sais pas ce que c'est plus des hommes en tout cas. Je propose à Howard un petit médicament pour l'aider à dormir. Ah oui, je veux bien. Un petit coup de l'odanum, ça va lui faire du bien. Je prends le médicament avec ma petite flasque personnelle. Pas trop quand même. Un petit cocktail. Un petit cocktail, là. Il faut que je dorme. Très bien. Bah, vous passez une nuit donc quand même un petit peu agitée après
après toutes ces découvertes. Et au point du jour, le coq de la ferme voisine vous réveille pour une belle journée. Vous sentez déjà l'odeur du pain frais qui monte de la cuisine. Ah, je descends 4 à 4 les marches pour aller attraper le petit déjeuner. Vous êtes salué hein, par Rory qui est là. Est-ce qu'on a réussi à se débarrasser de notre odeur de poisson? Il y a encore une petite petite odeur, mais très très légère. Bah, à la rigueur, tu sais même pas si c'est toi ou si c'est une odeur réelle ou si c'est juste le souvenir que tu en as. Mais ah oui. Petite... Vous vous souvenez le whisky qu'on avait bu à la fête, enfin que vous aviez bu à la fête? Ouais, tout à fait, ouais. Il vous avait dit quelque chose par rapport à sa provenance? Bah en fait, moi j'avais essayé d'entreprendre le gars qui était au bar là, et pendant le bal, et il arrêtait pas de jeter des regards craintifs à Somers qui était assis sur un banc un peu plus loin, et a priori il était terrifié à l'idée que Somers puisse savoir qu'il avait chopé du whisky de contrebande. Mais par contre, il m'a pas dit d'où venait ce whisky, quoi. Il a admis à demi-mot que c'était pas un truc d'ici. Mais si je me souviens bien, il m'a pas dit d'où ça venait. Et puis il était assez effrayé à l'idée que quelqu'un puisse savoir qui traficotait. Oui, donc d'après toi, c'était lui qui était à l'origine de l'importation du whisky, pas Somers. Ah ouais, tout à fait, ouais. Le barman, lui, c'est peut-être qu'un maillon, il s'est peut-être retrouvé avec quelques bouteilles comme ça, en les achetant aux Avery, peut-être même. Donc je sais pas s'il fait partie du commerce, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voulait pas que Somers le sache. Hein. Enfin, il avait l'air d'avoir peur de ça. Ouais. Je pense que c'est un peu comme chez nous, quoi. Les gens, ils sont prêts à se procurer quelques bouteilles clandestinement, à part qu'ici... A priori, si Somers la prend, ça finit mal pour toi. Enfin, tu te fais poter le train. Oh, c'est la couronne? Ouais. Merde, qu'est-ce qu'il est moche. Très bien. Alors, je commence un peu à faiblir, donc on va finir dans pas très longtemps. Est-ce que vous voulez faire encore quelque chose là sur ce matin? Alors, moi, j'irais bien voir les Avery pour les... En vrai, quoi, pour essayer de leur parler et de savoir s'ils ont eu affaire à nos prédécesseurs. Mmh. Mais ouais, je pense qu'ils font de la pêche. Ouais. Si on va aller voir eux, carrément, faut qu'on joue carte sur table, quoi. C'est qu'on leur dit qu'on vient d'Atlantic City, enfin qu'on est envoyé par la famille machin et qu'on sait qu'ils ont eu affaire à nos prédécesseurs, quoi. T'as pas peur qu'on finisse comme eux? Moi je pense pas que ce soit les Avery qui ont fait disparaître nos gars. Je pense que les Avery, ouais. Ils avaient commencé à passer un deal avec eux. Oui, et puisqu'on a trouvé... Et que ce deal a été vanté ou quoi, mais je me trompe peut-être complètement, hein, t'as raison, peut-être qu'on s'est risqué, mais j'ai l'impression qu'à eux, ça sert à rien de leur dire qu'on est des guides et tout ça. Ils sont tellement à part de la communauté, ils sont vus comme des pestiférés. Autant jouer carte sur table, quoi, je pense. Et puis Howard, il va nous protéger. Il a son revolver. Ok. Après ce que j'ai vu dans le truc, je suis pas très chaud d'aller les voir comme ça direct. Je veux bien que tu y ailles, mais ça m'a un peu calmé là de ce que j'ai vu dans la. Dans l'espèce de grotte là. Ouais, si on y va en plein jour ou à l'arrivée, ouais, enfin. Ah, tu me sens clairement fébrile hein, à cette idée là. D'accord. Ok, bah on pourrait y aller plus tard avant. Quand ça ira mieux. Donc là, effectivement, là, ils doivent être en train de rentrer de la pêche, donc ce serait le moment de les alpaguer si vous voulez. Comme dit, je t'accompagne si tu veux y aller, mais j'essaierai de pas trop leur parler. Je te laisserai si ça te dérange pas. Bah, moi je veux bien, du moment que je sais que je peux compter sur ton
sur ton six coups en cas de problème, quoi. Oui, bien sûr. Par contre, Elisabeth, tu n'aurais pas une de ces petites crèmes fabuleuses qu'on peut se mettre sous le nez pour ne pas sentir l'odeur, les odeurs épouvantables? Tu sais, celle qui est utilisée par les médecins légistes pour masquer l'odeur des cadavres? Ah oui, comme du camphre ou ces trucs-là, là. Ouais, quelque chose qui ferait en sorte qu'on ne sente pas cette odeur pestilentielle une fois de plus. Du baume du tigre. J'allais le dire. D'accord, donc vous allez... au port, c'est ça? Au port de pêche? Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Sinon, on peut faire autre chose, hein. Oh, moi, ça me va, hein. Mais tu aurais pas voulu les interroger directement sur place, non? Plutôt au port? Bah, disons que... Ouais, ou sur place, oui, pourquoi pas. Au port, il y a un peu plus d'activité, donc on se sent un peu moins en danger, quoi. Mmh, oui. J'appuie. Et puis ça sent un peu moins mauvais aussi. C'est vrai. Et on est plus loin de la statue aussi. Ok, bah vous descendez, descendez une nouvelle fois vers le front de mer, vous repassez derrière vos petits cafés habituels, passez devant ce grand ponton avec le restaurant. Oui, quelques locaux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Vous descendez vers le port de pêche, où effectivement là, les gens sont en train de décharger leurs prises, de vider les filets, des gros tas de poissons qui frétillent sur le quai. Et puis un petit peu plus loin, comme vous y attendez, il y a le bateau des Havrets qui est déjà amarré. Apparemment ils ont déjà tout sorti, ils ont sorti leur pêche, le produit de leur pêche, ils sont en train de le trier, etc., le mettre dans des caisses. Ils sont nombreux autour du bateau, ou... il y en a trois là. Il y en a deux qui sont en train de ranger les caisses, d'étiqueter machin, d'écrire des machins dessus. Et l'autre qui est en train de briquer un peu le bateau, de faire un petit peu de ménage, de ranger les trucs, les cordages, etc. Quand vous approchez, le type du bateau, il tressaille un peu. T'as l'impression qu'il farfouille un peu, genre comme s'il voulait cacher quelque chose. Il interpelle ses copains, une espèce de toi, ça te fait plus penser à un raw, quoi. C'est une espèce de truc super raw que t'as l'impression qu'il lui a dit quelque chose, mais avec une espèce de truc qui venait ultra guttural, qui venait de la gorge. Sont tournés vers vous. Ils vous observent. Là, de toute façon, on est à l'écart des autres bateaux. Oui, enfin, ils entendront pas vraiment ce que vous direz, mais vous êtes. Ils vous voient. D'accord. Pour vous voir, vous êtes à, je sais pas quoi, 100 mètres. Mais avec le bruit du vent, évidemment. Pas entendre ce que vous dites. Ouais, c'est sûr. Du coup, je m'approche, je dis, oh là, du bateau, il y a moyen de se parler 5 minutes. Le type du bateau s'agite un petit peu, il interroge les deux copains sur le quai du regard. Tu vois que comme tu t'es approché, tu vois que le mec du bateau, il a un air vraiment... Enfin, il te faisait un peu penser à Jake, hein, que vous avez vu à Innsmouth. La bouche super large, t'as l'impression d'avoir des espèces de lignes parallèles sur son cou, hein, comme s'il avait des espèces de branchies. Des yeux complètement protubérants, ultra globuleux. Enfin, il a l'air bien, bien avancé. Les deux autres, ils ont ce petit air, mais ils ont l'air quand même... ils ressemblent un peu particulier, mais pas complètement extraordinaire. Et au moment où tu étais approché du bateau, t'as entendu un gros clapotis qui est bien plus fort que le simple clapotis de l'eau sur la coque. Et tu regardes dans l'eau, tu vois qu'il y a un petit endroit de l'eau où il y a beaucoup d'écume, hein, comme si quelque chose venait d'être plongé. Je déglutis, je respire un bon coup. Pour essayer de ne pas montrer que je suis très mal à l'aise. Donc l'un des deux hommes qui était en train de
de bricoler dans la cahute, il s'approche de toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je cherche, je fouille mes poches et... Est-ce que par hasard on n'aurait pas sur nous, enfin je dis moi ou l'un de mes collègues, l'une de ces pinces à billets que eux ils ont, qu'on nous aurait filé on peut dire que vous avez pour notre voyage. Un paquet d'allumettes. Casino, ouais, du casino, ou tu vois, voilà, où il y a le logo du casino dessus. Ouais. Et donc je fouille mes poches et je sors justement cette boîte d'allumettes qui me sert à bourrer ma pipe. Et je lui dis. Ben, je voudrais vous parler de. Je voudrais vous parler de ça. Et je tends ma boîte d'allumettes. Il regarde la boîte d'allumettes, il te regarde, regarde les trois zigotos derrière qui, j'imagine, sont en train de se dandiner, qui ne savent pas trop quoi faire. On vient de loin, vous savez. Pour vous rencontrer. On se disait bien que vous étiez bien curieux pour des journalistes écrivant un guide. Ben oui. Touristique, il a une espèce de petit sourire un peu narquois. Asseyez-vous. Mais les murs ont des oreilles dans cette ville, vous savez. Ça sert quelque chose? Oui, si vous avez quelque chose à plus de 30 degrés, ça me va. Donc il farfouille un peu dans une boîte de la cabane. Il sort une espèce de bouteille. Enfin, c'est même pas une bouteille, ça fait presque penser à une amphore, tout incrustée de coquillages. Même t'as l'impression de voir des morceaux de corail, tu te demandes ce que ça fout là. Avec un gros bouchon par-dessus, il regarde la bouteille, il te regarde. Non, peut-être pas, il la repose, et puis il sort une bouteille qui est un peu plus familière. Et il te sert un petit verre de whisky. Tu vois que c'est de l'écossais, quoi, c'est pas de la daube. T'as vu l'étiquette. D'accord, donc je renifle le verre, je le goûte et je regarde Howard et mes collègues d'un œil entendu en disant « Ah, c'est... Voilà un breuvage qui nous est familier. Ça fait plaisir. » N'est-ce pas? Donc vous avez compris... Heureusement qu'il reste de bons citoyens pour offrir aux gens ce qu'ils désirent. Exactement. Et justement, nous, on est venus parce que on a eu l'impression, on a entendu dire que la ligne s'était coupée entre Atlantic City et ici. Et on est venu voir ce qui était arrivé au gars qu'on avait envoyé. Pour vous rencontrer et faire affaire avec vous. Ils étaient mieux habillés que vous, quand même. Ouais, mais ils étaient, je pense, peut-être un peu trop voyants, du coup. Mieux habillés que... Ah, pas que la mise qui est avec nous, en tout cas. Je sais pas, t'es un peu loin, ils peuvent pas... Si tu t'es mis sur ton 31, ils seront pas forcément compte, t'es un petit peu loin. Ah, on les a pas suivis, en fait, nous. Moi, j'ai compris que vous étiez un petit peu derrière Eric. Vous étiez resté à une trentaine, quarantaine de mètres. Ou je me suis trompé, vous le suivez Je pense qu'on est tous ensemble, là, non? Ah ok, j'avais mal compris, ouais. Non, désolé. Donc, non, c'était juste moi. C'était Howard qui voulait... C'est ça. Okay, j'avais pas compris, donc... Donc effectivement, il regarde Aileen et puis il se ravise. Bon, en fait, vous avez quand même de bons représentants qui savent bien se saper ici. Bah oui, mais il fallait qu'on se fonde un peu dans la masse, on pouvait... Donc, Aileen ici présente, elle est chic, mais nous on reste simple. Et donc vous cherchez vos collègues? Bah oui. Et puis on voudrait... Nous aussi on aimerait bien savoir où ils sont, on fait une proposition que notre patriarche avait l'air de trouver vachement intéressante. Et puis c'était dans nos cordes. Donc vous avez accepté d'assurer le transport? Oui, ils nous ont expliqué, ils nous ont sorti une odeur bizarre, comme quoi les gardes-côtes, ils n'arrivaient plus à coopérer avec eux au niveau d'Atlantic City, donc ils avaient besoin d'aide. C'est ça. Et vous, votre bateau, c'était une bonne combine. On peut dire ça comme ça, oui. Et du coup,
quand vous avez passé affaire avec eux, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu d'un coup ou ils vous ont dit qu'ils étaient repérés? Vous savez ce qui s'est passé? On a discuté un peu affaire, enfin ils ont discuté un peu affaire avec notre patriarche, ils ont l'air de tomber d'accord, du coup ils avaient l'air bien contents. Ils ont dit qu'ils allaient fêter ça, un petit gueuleton. Et votre patriarche, il y aurait moyen qu'on le rencontre ou qu'on la rencontre? À moins que vous ayez ici pour poursuivre les négociations, je vois mal pourquoi on dérangerait. Ben disons que si, Si j'ai bien pu si on nous comprendre envoie les. ici, c'est justement parce que on voudrait que poursuivre le business, mais savoir ce qui est arrivé à nos gars avant. Et on voudrait être bien sûr que vous y êtes pour rien. Je pense qu'il y a quelqu'un à Summerspawn qui ne voit pas d'un très bon œil que certains chargements transitent par ici. Ouais, vous parlez de Monsieur Summers. Il tressaille un peu, crache par terre. Il fait peur à tout le monde, ce Monsieur Summers. Mais vous avez maillé à partir avec lui ou il vous laisse tranquille? Disons que c'est un. Depuis assez longtemps, avec. Oh, c'était la même chose avec ses parents, avec ses grands-parents, depuis qu'on est installé ici. Comment dirais-je. Comment on appellerait ça? Un équilibre de la terreur. Un équilibre de la terreur. Ah. On a deux camps qui savent très bien que le premier qui attaquera provoquera l'annihilation des deux. D'accord. Et Donc voilà, on reste un petit peu en dehors de la ville, on fait nos affaires. Et on laisse la ville tranquille. mais il est pas au courant que vous êtes prêt à convoyer du whisky écossais dans sa région. Bah certainement pas, non. Bon, c'est bien, tant mieux. Apparemment, vos prédécesseurs avaient l'air de dire qu'ils pourraient intervenir dans le différend qui nous oppose à cette espèce de crétin au sang bleu. Bah oui, je pense que avec On n'a pas l'air bien costaud, c'est ça. comment vous pensez y arriver? C'est ça, c'est que je pense que nos prédécesseurs ont sous-estimé Monsieur Summers. Il semblerait qu'il ait des appuis bien plus puissants qu'il n'y paraissent. C'est pas juste un simple bonhomme qui est riche et qui a tout le monde dans sa poche. Ah, vous êtes perspicace, c'est bien. Vous êtes au courant de la malédiction qui frappe cette famille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, je parle des hommes qui meurent inévitablement très très jeunes s'ils ne font pas. Ah, vous savez, moi, les aristos comme ça, ils se ressemblent tous. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Ouais. Bah, je sais pas, on n'avait pas remarqué, mais. Tu vous le dites? Et vous parliez d'équilibre de la terreur tout à l'heure. C'est que vous savez bien que Summers a certainement une forme de puissance de feu. Vous savez d'où il tire son pouvoir? Pas du tout. On aimerait bien le savoir. Bah nous aussi. Permettrait peut-être. On finira avec lui. Mais c'est clair qu'il a des alliés très puissants. Nous aussi, on a des alliés très puissants, mais il se neutralise. Si vous n'avez aucune information à nous donner qui pourrait nous mettre sur la piste de l'origine de sa puissance. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que c'est devenu bien bien plus critique depuis une vingtaine d'années. Avant, on s'ignorait plus qu'autre chose avec les Summers, mais depuis une vingtaine d'années, le noblio là est devenu super agressif. On a dû prendre des mesures et puis se faire aider. Vous êtes fait aider? Ouais, vous pouvez pas comprendre, mais
Si jamais il nous attaquait de front, il serait bien reçu, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai une petite idée. Donc si jamais nous arrivions à neutraliser Monsieur Summers, vous seriez prêt à poursuivre l'accord que vous aviez passé avec nos gars? Bah, tu vois qu'il s'esclave. Vous neutralisez Summers. Ouais, avec grand plaisir. Oh, il a donc, certainement un point faible, tous ces donc gens. Vous ne devriez pas abuser de ce petit breuvage que je viens de vous offrir. Ça vous réussit pas. Ah, voilà, d'accord. Les amis, je me retourne vers mes collègues. Vous avez des idées ou des remarques à faire à ce monsieur? Je fais un non-non étouffé avec mon mouchoir sous le nez, discrètement quand même, hein, pour pas que ce soit... Mais t'as ta petite crème blanche sous le nez. Bon, alors, admettons qu'on oublie Somers un instant. Quand vous avez reçu la première cargaison d'alcool d'Atlantic City, à qui vous l'avez refilé ici pour qu'elle soit diffusée? Reçu, on n'a rien reçu. Vous avez rien reçu? Non, étonnant, parce que j'ai trouvé le même genre de bouteille en ville l'autre jour au cours d'un bal. C'était un hasard, c'est mon cousin Obed. Il a trouvé ça en pleine mer. Il a trouvé la caisse en pleine mer et puis il l'a ramené. Puis comme on s'est rendu compte qu'il devait y avoir de la demande en ville, bah voilà. On a vendu quelques bouteilles sous le manteau. D'accord, vous voulez dire que pour l'instant, vous n'avez pas eu une seule livraison d'Atlantic City? Non. Ok, on va vérifier ça quand même. Hein. Mais de toute façon, la livraison ne... C'est Atlantic City qui voudrait se faire livrer, c'est pas... Les livraisons viennent de beaucoup plus loin. Oui, 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 c'est vrai. Mais la région de Summers Point était censée en profiter ou pas du tout? C'était juste un relais. D'après les termes des négociations, j'ai cru comprendre que c'était un moyen de contourner le problème des gardes-côtes. D'accord, ok, donc vous êtes... Donc comme on a... c'est un accident, quoi, le fait qu'il y ait... Mes cousins ont... une faculté à être très discret. D'accord. En pleine mer. Oui, vous avez une affinité avec l'océan, on dirait. Ah, la mer, y a rien de tel qu'il hume l'air du large. L'air de la mer. Il rigole bien. En se tapant sur les cuisses. Vous êtes un enfant de Dagon. Un enfant de Dagon. Tu vois qu'il était hilar et tout en train de rigoler, il te regarde. Son rire, c'est vraiment figé. Il te regarde. T'as presque l'impression que ses yeux ultra globuleux se plissent un peu, commencent à se fermer, à se noircir. Tu ne devrais pas prononcer le nom de Père Dagon. Ah, c'était pas une offense. Ceux qui l'ont fait avec son... En général, mordu les doigts. C'était pas une offense, c'était juste pour te dire que on sait nous aussi à qui on a affaire, c'est tout. Et c'est ça mon affaire. Tu devrais te méfier. Il y a des connaissances qui ne sont pas destinées à des rigolos comme toi. D'accord. C'est un peu ronfrogné là, tu vois qu'il est pas très content. Bon, et bien, j'espère quand même que. On trouvera moyen de poursuivre ce business. Et si tu peux faire remonter au patriarche que on est toujours sur le coup, il y aura moyen que nos affaires continuent. Avec plaisir. Ben, la bonne journée alors. Tire la main. Oui. Tu vois que sa main est un peu poisseuse. Oui, je serre la main. Puis vous fait un signe aux trois autres là qui sont derrière. Oui, ça sera suffisant. Ouais, je salue les deux autres pêcheurs et puis on commence à s'en aller tranquillement. A priori, à moins que vous ayez des choses à dire, non, vous n'avez pas des questions à lui poser? Non, merci, ça va aller. Non. Ok.
Donc vous dirigez, vous vous retournez vers la civilisation où ça empeste moins. Vous remarquez quand même quand vous passez devant, bon là il y a plus trop de pêcheurs, ils ont fini leurs affaires. Mais il y a quand même, quand vous passez, vous voyez qu'il y a des gens qui parlent un peu à voix basse. Quand ils vous voient arriver, ils vous regardent et puis ils détournent le regard très vite. Pour le moment, c'est pas passé inaperçu que. Enfin, votre entretien est pas passé inaperçu. Il n'y a pas de problème, moi j'allais vous proposer d'arrêter là. D'accord. Si vous pouviez. Donc on va terminer sur votre retour au front de mer. J'avais quand même une petite question. Parce que Madame K demandait quand est-ce qu'on jouait. On peut jouer la semaine prochaine si vous voulez. Je sais pas si Descartes sera déjà parti. Jeudi prochain, tu veux dire? Ouais, le 30. Ouais, le 30, je serai parti, ouais. Donc la prochaine, ce sera le 13, du coup, le 13 juin. Juste si vous pouvez juste me dire un tout petit peu ce que vous avez l'intention de faire. Bah là, va falloir aller enquêter du côté de Somers, hein. Du coup, on va pas y échapper cette fois-ci, hein. Donc le pavillon de chasse Bah ouais, et je crois bien. plus si nécessaire, quoi. Faut qu'on sache qui est arrivé à nos gars, hein. Ouais. Ils les ont zigouillés, c'est sûr. Je crois qu'on est pris entre deux forces qui nous échappent, hein. Enfin, ou qui nous surpassent surtout, hein. Et là, du coup, on attaque par le pavillon de chasse, alors. Bah Oui, oui. ouais, ce serait Hein? le... Ouais. Pas, on rentre pas, enfin, on retourne pas voir Sommers en personne directement. Maintenant, surtout qu'il nous a plus ou moins démasqué la dernière fois, hein, qu'on y était, quoi. Ouais, t'as raison. Et je pense qu'il faudra vraiment y aller discrètement au pavillon de chasse parce que plus les jours passent, plus on est suspect dans cette ville. Ah, surtout qu'ils nous ont vu parler aux Avery maintenant. Ça va vite se savoir, quoi. Ouais, c'est sûr.